trois ans qu'on intervient donc sur Rouen-sur-Mer avec des beach rugby, donc pour promouvoir le rugby, surtout chez les jeunes. Tous les ans, on récupère, grâce à cette intervention, 2-3 joueurs, donc, ce qui n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Donc pour nous, c'est toujours intéressant. On fait partie de la vie sportive du club, de la ville. Donc pour tout ça, on est content d'être là. Et puis, on prend de plus en plus de créneaux. Enfin, l'année dernière, on était venu qu'une semaine. Là, on est là sur les trois. Bon, voilà, quoi, on met en place pas mal de choses. On est quand même une dizaine d'éducateurs à intervenir sur les trois semaines. Et voilà, on mélange. Là, il y a certains de joueurs de chez nous avec des débutants complets. Et puis, ils arrivent à jouer ensemble en espérant que par la suite, ils aient envie de continuer le rugby. Le sport d'équipe, c'est motivant. Puis, ça donne envie de jouer quand on commence à apprendre les gens qu'on connaît pas, faire des connaissances, tout ça. Tu viens souvent là? Là, ça fait deux jours que je viens, sinon je ne vais pas, j'ai pas le temps. Et comment ça se passe? Ça se passe bien, il n'y a pas d'embrouille, tout le monde s'entend bien. Peut-être des belles rencontres? Ouais, tout à fait. Alors, tu t'amuses bien? Oui. C'est vrai, t'étais déjà venu? C'est la première fois? Et donc tu vas revenir? Je sais pas. Et qu'est-ce que t'as fait de bien aujourd'hui? J'ai fait les vélos. Le vélo? J'ai fait du vélo. Et la maman, qu'est-ce qu'elle pense alors de cet événement? C'est bien. C'est bien que ça passe à Rouen, quoi. D'accord. C'est mieux que d'être vu à la télé. Oui, là on est sur Rouen-sur-Mer du 27 juin au 25 juillet pour faire une animation sportive, ce qui permet d'ouvrir les portes à tous les gens qui n'ont pas forcément les moyens, le temps, qui ne connaissent pas, de donner un accès libre sur diverses activités. Et ça a beaucoup de cardio en premier plan, donc avec des appareils Matrix. Je ne sais pas si on a le droit de citer la main. Et en fait, c'est du matériel très, très sophistiqué, très professionnel. Et c'est très bien, c'est une bonne expérience, c'est la deuxième année que je le fais. C'est dommage qu'après les gens ne soient pas un peu plus sensibilisés au coût du matériel par rapport au respect en fait. C'est pour ça que cette année on a été obligé de renforcer le règlement, parce que l'année dernière on a eu du n'importe quoi, on a eu tout le matériel cassé. Mais bon, autrement je trouve que c'est très très bien le fait de faire un bon sur mer pour donner accès aux gens respectueux, eux, qui n'ont pas forcément, comme je disais, moi, les moyens et le temps de le faire. Donc on fait la découverte de plein de gens intéressants, discutent. C'est une bonne attraction, ça casse de la routine aussi, on est là pour conseiller. Et puis voilà, faire connaître aux gens justement tout le domaine fitness, parce que comme j'expliquais, on fait du cardio, mais en biais, on donne des cours collectifs aussi. On a divers cours comme les abdos fessiers, le step, on a la zumba le mardi soir sur la place centrale. Et donc ça permet aux gens d'avoir un autre regard sur le fitness. C'est une plage très agréable, il y a des jeux dehors, des jeux pour tout âge. Toute personne, il y a la lecture, il y a du hand plage, il y a en ce moment des cours de taekwondo, des cours de lutte, il y a le projet sous-marine, nous avons des jeunes aussi devant qui vont faire le tour du monde à la voile. On a un espace fitness, un espace restauration. Nous avons une plage avec des transats pour que les gens se reposent, prennent le soleil. Nous avons aussi des pédalos pour les enfants, il y a les concours de billes pour les enfants aussi, il y a la lecture pour les enfants. Il y a approximatif tout âge qui viennent, on les croit de ça, les petits concerts, on a un peu de tout. Donc voilà, je vous conseille de venir découvrir en plage qui finit fin juillet, où il y a beaucoup de monde avec le soleil. On vous souhaite en vous souhaitant un bon séjour à Rouen plage.